Salut, salut les amis. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur les bons plans qui viennent de sortir cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord remercier tous les gens qui sont follow cette ma chaîne cette semaine. C'était vraiment très joyeux et ça m'a réchauffé le cœur. Ça me montre que les gens me soutiennent, ça me fait hyper plaisir. Et les gens qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas de faire un... qui ne sont pas encore follow, n'hésitez pas, ça me permettrait d'être plus visible sur la plateforme par rapport aux autres. Et ça me fait hyper plaisir. Si vous aimez, un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. De me suivre sur YouTube, sur Twitch, j'essaie vraiment de faire des lives sur des jeux vidéo qui me plaît, qui vous plaira aussi. J'essaie de vraiment trouver un petit créneau, pas vraiment un créneau et aussi un jeu qui me conviendra là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, de me laisser en commentaire, ça me fait hyper plaisir. Papa. Et voilà, hein. Alors sans tarder, on va commencer directement sur un Intel Core i9 12900K. Jusqu'à 5,2 GHz, franchement c'est parmi les derniers processeurs qui viennent de sortir de deuxième génération pour le prix de 600€ sur Redecommerce. Ensuite le AMD Ryzen 5 5600X processeur 3,7 GHz, franchement c'est un très bon aussi processeur pour le prix de 240€. Alors, pour les cartes graphiques, on a le PowerColor Radeon RX 6700 XT Red Devil avec un pass Xbox offert pour un mois pour le prix de 850€. Voilà. Il est très stylé. Bien. Très joli. Alors, ensuite, on a le MSI Radeon RX 5600 Mesh 2x2. Vous avez deux ventilos. Avec un pass Xbox toujours offert hein, pour le prix de 470€ pour un petit budget. Ça fait le taf, il n'y a rien à dire là-dessus, il est très bien. Voilà. Ensuite, on a, par contre là, on va monter un petit peu en cran. On a le Saphir Nitron plus le Radeon RX 5900 XT SE, plus des jeux offerts Village et Far Cry 6 pour le prix de 1480€. Allez, alors attendez. Regardez. On regarde les... C'est très joli, hein, franchement. Avec RGB en plus. Et vous avez le... En fait, celui-là, le support pour la carte graphique, comme c'est lourd, à la fin, ça penche un petit peu. Ça peut vraiment un petit... détruire... Bon, pas détruire, mais un petit peu plier le connecteur avec la carte mère. Alors, si vous mettez ça, vous gardez le poids de deux côtés et la carte graphique sera... bien aligné quoi. Voilà. Voilà, dans un boîte, vous voyez. Et là, vous mettez le support ici pour la soutenir. Alors, ensuite, on a la Saphir Radeon RX 5800 XT Pulse plus Xbox Game Pass à moi offert pour le prix 1160€. On a la Saphir Radeon RX 5600 Plus avec deux ventilos par contre, Xbox Pass offert aussi pour le prix de 480€. Et sur Redecommerce, on a la MSI GeForce RTX 3070 Ti avec trois ventilos 8Go pour le prix de 1008€. Et on a la Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OS 8Go Reverse 2. Voilà. Pour le prix de 732€. Hein. Et pour les cartes mères, on a la MSI AMD MPG B550 Gaming Plus ATX pour le prix de 139€. On a la MSI carte mère Z590 Plus pour le prix de 124€. Et pour finir pour la carte mère, on a le Asus AMD B450 Premium Plus ATX pour le prix de 70€, compatible avec Asus Aura Sync. Alors, pour le disque dur, on a le disque dur SSD interne White Blue 1 Tera pour le prix de 90€.
Et on a le Crucial interne B5 plus 1 Tera pour le prix de 130 euros. Et on a le disque dur interne de 18 Tera de Segato Exos pour le prix de 301 euros. Et pour les RAM, on a le Corsair Dominator Platinum RGB 16 Go 8x2. Moi, jusqu'à 4000 MHz, franchement, c'est très, très, très ouf. Pour le prix de DDR4, par contre, pour le... Les DDR... En fait, je préfère DDR4 que DDR5, parce que franchement, les cartes graphiques DDR5, ils sont vraiment à la ramasse pour l'instant. Ils ne sont pas vraiment optimisés jusqu'au bout. Pour le prix de 135 euros. Et pour le périphérique, on a la souris sans fil Logitech MX Master 2S en noir. Pour le prix de 60 euros sur Fnac, chaque fois je le dis sur mes vidéos, moi j'ai la MX3 de la même marque, seulement la version un petit peu plus récente. Si vous travaillez, vous faites la bureautique, le développement, tout ce que vous voulez, c'est des souris magnifiques. Ils vont vous changer la vie avec incroyable. Ça facilite la vie au travail. Alors, pour gaming, on a le Ryzen Basilic V3, souris gaming avec fil par contre. Pour le prix de 47 euros RGB, très joli. Et pour finir, on a le Steel Series Rival 600 pour le prix de 40 euros. Avec le ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer le poids de la souris. Et il est hyper connu dans le secteur de gaming, quoi. Alors, pour les écrans, on a l'écran AWOK C27G machin. 27 pouces, incurvé, avec 0,5 millisecondes, 240 Hz, FreeSync AMD DisplayPort, pour le prix de 220 euros. Alors, et pour l'écran, on a le Samsung Odyssey G5, 32 pouces par contre, une réponse de 1 milliseconde, 144 Hz, AMD FreeSync, pour le prix de 298 euros. Malheureusement, temporairement hors rupture de stock, mais c'est pour ça le prix il est réduit. Et vous connaissez la marque Odyssey, c'est la meilleure marque sur le marché pour l'instant. Après, c'est mon avis en tout cas. Pour les casques, on a le Logitech G Pro X QFI Gaming, qui est très stylé en design de LOL, pour le prix de 70 euros sur Amazon. On a le HyperX HX Cloud Pro Gaming Filler pour le prix de 55 euros. Et le non-filler, c'est 88 euros toujours sur Amazon. Qui est compatible avec PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, ce que vous voulez. Ensuite, on a le casque gaming Corsair Versuso pour le prix de 155 euros. Qui est très 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 bien, élégant, vraiment très joli. Mais avec un code de réduction que je mettrai en description, ça, vous pouvez l'avoir en 140 euros, c'est mieux que rien. Voilà, une petite réduction, ça fait plaisir. Alors, on a le casque Corsair CA, machin, Void Elite RGB USB Gaming, casque de gaming pour le prix de 60 euros. Et aussi très 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 bien. Voilà. Pour les claviers, on a le clavier Ryzen Ornata V2 pour le prix de 70 euros sur Darty. Et très bien, pose-bras en cuir, tout ce que vous voulez avec des raccourcis. Et il fait le taf. Alors, si vous avez un petit souci sur Wi-Fi, qu'il n'arrive pas à certaines chambres, à certains endroits dans votre maison, on a le répéteur Xiaomi Mi Wi-Fi Extender Pro pour le prix de 10 euros sur Electrodépôt. Et pour la chaise gaming, on a le Foot Gaming Acer Shark noir en noir et vert pour le prix de 180 euros sur Fnac. On a aussi la Logitech Stream Deck de 15 touches sur Amazon pour le prix de 130 euros. Je l'ai. Ah, ça m'a changé la vie. Ah, je vous l'assure, ça facilite la vie si vous êtes feignant. Comme ça, littéralement, vous êtes feignant. Ça vous convient. Vous cliquez sur une touche, ça vous fait tout le travail derrière. C'est vraiment incroyable. Ensuite, on a le micro Ryzen Serin Mini microphone condensateur USB pour le stream pour le prix de 30 euros. C'est un petit budget, il fait le taf.
Vous voyez, il est très bien. Vous pouvez carrément l'attacher sur un bras. C'est très stylé. Par contre, là, on va monter un petit peu en gamme. On a le Blue Yeti microphone USB professionnel pour l'enregistrement streaming, broadcast, diffusion, gaming, voice, tout ce que vous voulez, pour le prix de 108 euros sur Amazon. Pour les alimentations, on a le Corsair Block Alimentation RM Series, RM 850 watts 80 plus Gold pour le prix de 95 euros. Et on a la Seosonic Alimentation PC. Alors, il y a quoi 850 watts en bronze pour le prix de 68 euros. Voilà, j'arriverai. Et on a le boîtier Corsair 5000D Airflow ATX en blanc vert trempé pour le prix de 127 euros. Voilà, en blanc, c'est magnifique, c'est très stylé. Alors maintenant, on va passer sur les PC portables et les tours et les smartphones aussi. Pour commencer, on a le HP Victus 16, machin, à argent Mica, plus souris Omen Vector essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il se compose de Nvidia RTX 3060, i5 11040H, RAM 8Go, 8Go, ouais. SSD 512Go de stockage, Windows 11, bien sûr. Voilà, avec une souris sur Rode Commerce. Alors, on a l'iPad Gaming de chez Lenovo. Il est très bien, avec un processeur Intel Core i5 11030H 11e génération qui monte jusqu'à 4,4 GHz, désolé, avec un Turbo Boost. Windows 11 Family, obligatoire, avec 16Go de RAM et de 3200MHz, 502Go de stockage, avec une Nvidia GeForce RTX 50 Ti 4Go pour le prix de 800... pas 800, désolé. 780 euros sur le site Lenovo. Ensuite, on a l'ordinateur portable de gaming G15 de chez Dell. Alors, qui se compose de processeur Intel Core i7 11800H de 11e génération qui monte jusqu'à 4,6 GHz à Windows 11. Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6Go. Alors, 16Go de RAM, 3200MHz. Alors, et 512Go de stockage pour le prix de 1200 euros, les amis, sur le site de Dell. Alors, c'est un PC portable surtout pour étudier, c'est pas pour gamer, c'est pour étudier, pour l'utiliser dans un domaine professionnel. Alors, c'est le iPad 5, 15 pouces, qui se compose de AMD Ryzen 3 5300, qui monte jusqu'à 3,80 GHz, Windows 11. Alors, 8Go de RAM, 3200GHz, 256Go de stockage. De zone de garantie pour le prix de 400 euros. Là aussi, c'est plus professionnel. Vous pouvez gamer, mais pas, c'est pas du ouf. Mais c'est plus pour travailler, pour étudier, pour professionnellement, quoi. Alors, on a le iPad 5 pour le prix de 700 euros. Et il a quoi? On a le processeur AMD Ryzen 7 5700U. Qui monte jusqu'à 4,3 GHz avec Max Boost. Windows 10, 16Go de RAM, 3200MHz et 512Go de stockage. Garantie 2 ans toujours. Sur le site de Lenovo. Alors, les tours. On a le Agando Figo, machin derrière. Alors, qu'est-ce qu'on pose de Intel Core i5 10400F qui monte jusqu'à 4,3 GHz, 16Go de RAM qui monte jusqu'à 3000MHz, AMD Ryzen RX 5700 XT, 12Go avec un disque dur SSD 500Go, Windows 10 professionnel avec une carte 7,1 et 1 GB avec le prix de 1000 euros, les amis. Alors, sur alors on a le Creativic 2000, machin, c'est le nom de le PC qu'ils ont donné. Et ce qu'on pose de Ryzen 7 5800X,
carte mère, carte graphique RX 5800 XT 16 Go, 16 Go de RAM qui monte jusqu'à 3600 gigahertz avec gigahertz avec RGB 1 Tera en stockage et carte mère et Gigabyte B550 Gaming X pour le prix de 1200 euros les amis. Gigahertz, voilà. 16 Go. Et pour le smartphone, le Apple iPhone 13 Pro 128 Go pour le prix de 1020 euros sur Amazon. Et on a l'iPhone 13 512 Go cette fois, 1150 euros sur Amazon, les amis. Et pour finir, on a l'Apple iPhone 12 256 Go en blond pour le prix de 880 euros sur Amazon, toujours. Ah voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de faire un petit pouce bleu, de me follow sur YouTube, sur Twitch aussi. Ça me ferait hyper plaisir. Ça me motiverait d'aller vers l'avant. J'espère que vous... j'espère vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, à n'importe quel moment que vous regardez la vidéo. Et merci pour le soutien énormément. Et je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine. Salut tout le monde!